célébrer avec vous la fête de l'amour et de la femme. Obtenez gratuitement Pâques. Au sommaire de l'actualité, ce lundi, nous irons à la découverte des potentialités maraîchères de Ouagadougou et environnant pour des assiettes garnies. Rendez-vous dans les jardins ou à la maison du peuple pour des expositions de produits maraîchers suivies d'échanges avec les acteurs à l'occasion des journées promotionnelles des produits maraîchers de Ouagadougou. Le désarroi du Bougoumès-Koudara. 12 ans après sa réalisation, la gare routière de la capitale du Kénédougou n'est toujours pas de service car les bénéficiaires refusent de rejoindre les lieux. Les raisons, vous les entendrez dans ce journal. L'actualité internationale nous conduira au Togo. Fort Niassimbé, réélu pour un quatrième mandat avec plus de 12% des voix selon les résultats de la CENI publié 24 heures après le vote. Les résultats que conteste une partie de l'opposition. Voilà. Et finalement, j'ai rendu compte qu'elle était super chargée. Merci de nous Ouagadougou, la capitale, sorti, mais pas seulement des buildings et le poste sur lequel on cherche, là, on a besoin de pas de bébé. On est déjà bien arrivé. À retrouver la maison du peuple de Ouagadougou à l'occasion. Pleurer après, on a envie d'abandonner. Mais je pense que maraîcher de Ouagadougou et environnement. Ce jour, oui, tout se passe comme je l'aurais souhaité. C'est vrai qu'au départ, on dit toujours qu'il faut se battre, il faut se donner. Au début, c'est dur. Au début, on pleure et après, on a envie d'abandonner. Mais je pense que la culture maraîchère, une activité. Génératrice de revenus pour que les conditions soient réunies. Tu diras que nous sommes également, nombreuses sont les familles qui vivent de cette activité. Regroupés en coopérative, ils ont pris l'initiative de créer un cadre de rencontre et d'échange dans le but de mieux promouvoir la filière. Je travaille à les appuyer depuis 2013 et c'est suite à notre collaboration et des difficultés qu'ils me font part. Et nous avons décidé ensemble de tenir ces journées promotionnelles des produits maraîchers de la région du centre. Et l'objectif principal de la journée, c'est créer un cadre qui puisse réunir les acteurs principaux de la filière pour qu'ils puissent voir les difficultés qui existent en matière de collaboration afin que le secteur puisse davantage être épanoui. L'initiative qui est à sa première édition est placée sous le thème « Agriculture périurbaine ». Potentialités et opportunités du sous-secteur maraîcher. Au programme des réflexions à travers un panel pour échanger autour des enjeux du sous-secteur. La mise en place d'un mécanisme pour faciliter l'accès au crédit dans les institutions financières était l'une des principales recommandations. Le message qu'on est venu donner, c'est de les rassurer que le président de l'Assemblée nationale se considère comme un fils de la région et il a l'obligation de les soutenir. Ici, les maraîchers-culteurs viennent de démontrer qu'ils peuvent bel et bien servir la ville de Ouagadougou en produits frais et bio. À cette occasion, les produits maraîchers dans toute leur diversité ont été donnés à voir au public. À l'issue de ces journées promotionnelles, les meilleurs producteurs ont reçu des distinctions. Prenons place au Minefit, le département en charge de l'économie, pour en savoir plus sur sa nouvelle politique de contrôle de la gestion de l'administration publique. Un document d'orientation au stade du projet soumis à l'appréciation des acteurs, ceux qui sont chargés du suivi et évaluation. Issa Kapando, Estelle Judith Assogoba. L'implantation du contrôle de gestion dans les administrations publiques, c'est le grand souhait de tous ces acteurs ici réunis. Ce concept est une innovation majeure du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques. Avant que 5 francs ne soient dépensés, il faut que les contrôleurs financiers qui mettent en œuvre ce qu'on appelle le contrôle a priori, c'est-à-dire avant que la dépense ne soit effectuée là, puissent faire un certain nombre de contrôles. Et on trouve souvent que ce contrôle est rigide et avec la gestion axée sur les résultats, on doit se focaliser sur les résultats. Donc pour permettre à ces acteurs d'atteindre les résultats, on donne plus de flexibilité de pouvoir faire des adaptations en cours de processus. Alors pour s'assurer au moins en fait que l'argent ne soit pas dépensé en mettant l'accent pour les résultats là, est-ce que l'argent sera bien dépensé? On met en place des outils au niveau interne. C'est ça le contrôle de gestion. Selon ces acteurs, les textes qui ont prévu le contrôle de gestion ne comprennent pas assez de détails pour les modalités pratiques.
et comme solution, ils ont jugé utile d'élaborer un projet de document d'orientation sur le contrôle de gestion dans l'administration publique. Il y a une équipe qui a travaillé pour proposer un draft pour les modalités qui vont permettre de définir d'abord qu'est-ce que c'est que le contrôle de gestion, quels sont les outils qui vont être utilisés, quelles sont les modalités et quels sont les responsables à qui seront adressés les rapports en matière de contrôle de gestion. Ils ont pour tâche de parcourir le projet de document et d'apporter des amendements en vue de le valider. Une condition sine qua non pour la mise en œuvre effective du contrôle de gestion dans l'administration publique. Quand se Koundé dans le puits pour un exercice de rédévabilité de ses parlementaires, deux députés face au public pour évaluer les efforts fournis par l'État en matière d'infrastructure, eau, assainissement et santé. Chez les Échos avec Manega Yen et Kadou Oumenki. Les députés de la province du Tuy, face à leur population, autorités administratives, coutumières et religieuses, militants des organisations de la société civile, n'ont pas marchandé leur mobilisation à cette rencontre. Une rencontre qui devrait permettre aux deux parties de porter un regard critique sur les politiques publiques. Les secteurs eau, assainissement et santé ont été passés en revue. Secteur de la santé, on voit que le taux d'accès est de l'ordre de 79% en 2018, qu'on compare au taux national qui est de 59,2%, on voit quand même qu'il y a une avancée significative. Le secteur de l'eau, on voit aussi qu'en 2018, ils ont aussi atteint un bon taux qui est de 67,3%, qu'on compare au taux régional qui est de 55%. Le seul bémol, le secteur des infrastructures. Certes, nous allons avoir une réhabilitation de la voie Oundé-Sahara, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour nous, les populations. Productrices de coton, productrices d'or, une zone hautement poumon économique du Burkina, il ne s'agit pas de réhabiliter seulement la voie Oundé-Sahara en y mettant la terre à la terre. Nous voudrons du bitume. La province du Tuy a besoin d'un minimum de 100 km de bitume. Peut-être que ça permettra de désenclaver entièrement cette province, qui est une province sur qui l'État burkinabé peut compter pour le développement économique et social. Ce cadre d'évaluation citoyenne de l'action gouvernementale veut promouvoir le dialogue député-population, la redevabilité de l'État vis-à-vis des populations et la participation des citoyens à l'amélioration de leurs conditions de vie. Après Oundé, direction Waïbuya pour l'opération CNIB subventionnée dans le Yatenga. Et ce sont les personnes démunies qui vont en bénéficier. Le donateur Smaïla Ouedraogo prêt à mettre la main à la poche pour l'établissement de 7000 cartes nationales d'identité burkinabé. Constantin Ouedraogo, Abdoul Rasmane Zongo pour plus de précisions. C'est un cérémonial sobre mais qui n'en révèle pas moins son sens, son importance. Une séance photo, suivie du remplissage d'une fiche ou inversement, et le processus est engagé. Le processus d'établissement spécial de la carte nationale d'identité burkinabé, CNIB, sous forme de subvention, à hauteur de 10 500 000 de nos francs et au bénéfice de 7 000 personnes. Et il se trouve que dans la province d'Yatenga, les estimations de l'ONU et de la CENI font état d'un besoin de 25 000 cartes d'identité. Et nous avons pensé qu'il était essentiel de faire une contribution. Et cette contribution-là va consister à subventionner à hauteur de 1 500 la pièce d'identité et pour supporter les populations les plus démunies. Des bénéficiaires dont leur sentiment. La CENIB fait partie donc des pièces essentielles pour la vie de l'homme. Sans laquelle il serait très difficile de pouvoir, même pour pouvoir circuler, c'est très difficile. L'une des questions, en tout cas, qui revenait tout le temps, monsieur le maire, nous allons faire comment? Il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas d'argent, nous allons faire quoi pour avoir nos pièces qui sont en train de s'expirer? Et là, c'est une grande fierté. L'administration n'est pas en reste et réagit face à cette opération spéciale de délivrance de la CNIB. Le besoin en pièces, en carte nationale d'identité dans la province de Yatenga est énorme et donc cette opération vient contribuer à résorber ce déficit. Sont prioritaires dans l'établissement de la CNIB les populations très modestes qui n'en possèdent pas ou dont la CNIB est expirée ou encore est en cours d'expiration.
Je le disais en début de journal, une gare routière inoccupée depuis 12 ans, c'est à Ouroudara. La commune est prête à injecter à nouveau 135 millions de francs CFA pour que l'ouvrage fasse peau neuve avec toutes les commodités. Mais si les usagers refusent de rejoindre le site, à partir du maire, l'infrastructure servira cette fois de salle de classe pour les élèves. Zoom sur cette gare routière à polémique avec Martin Zerbo et Karim Cissé. Ce bâtiment devrait servir de gare routière pour la ville de Ouroudara. Mais pour l'instant, il sert de classe pour ses écoliers. La raison, ce chantier qui a démarré en 2008 n'est toujours pas fonctionnel. Ce sont les élèves de l'école du secteur 2 de Ouroudara. L'école est à sa cinquième année. Maintenant, il y avait une seule classe. Donc cette année, ils ont décidé de faire un recrutement. C'est ce qui nous a conduit à venir ici, faute de bâtiment, qu'on a essayé de l'accommoder afin de pouvoir commencer. Nous aussi, on essaie de faire de notre mieux afin de pouvoir sauver ces innocents. Pour la population, le sujet de l'autogare est dérangeant. Il a été financé à hauteur de 44 millions de francs CFA par le Fonds de développement communal, mais il demeure inexploité. Il faut dire que souvent, même on a la honte, on a très honte d'aborder la question. Parce que c'est la même enveloppe que l'autogare de Bourmou, pour ceux qui connaissent la route, qui prennent souvent la route de Ouagadougou, l'autogare de Bourmou qui a été construit à niveau là. C'est le même bail de fond, c'est la même enveloppe. Mais si vous voyez pour nous comment est-ce que c'est éparpillé, c'est un peu compliqué. Les bénéficiaires pointent du doigt l'emplacement de la gare et le problème de sécurité. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Si les étrangers viennent, ils vont héberger comment? C'est ce qui fait aussi que les étrangers ne sont pas allés. Il y a la sécurité aussi qui est là. Alors, il faut forcément qu'il y ait la sécurité là-bas aussi. Cette situation actuelle de la gare routière de Ouroudara a, au dire de certaines personnes, dessus le premier bailleur de fonds. Pour la petite histoire, le bailleur de fonds est arrivé une année. Et quand il est arrivé, il était tellement énervé qu'il a dit, mais c'est comme s'il avait enterré son argent, parce que son argent n'a pas profité, ni à lui, ni à ceux à qui il pensait avoir appuyé. Un autre bailleur de fonds serait, selon le maire de la commune de Ouroudara, prêt à accompagner la municipalité pour achever cette infrastructure en souffrance. Et actuellement, le financement est acquis. Un financement de plus de 130 millions de francs CFA. Il y a un bailleur de fonds qui a répondu favorablement, notamment la BOAD qui nous a écrit et la gare routière sera réaménagée à hauteur de 135 millions. Et donc nous avons vraiment, et aussi puisqu'on nous a dit de répondre en marquant notre accord, c'est ce que nous avons fait. En attendant l'exploitation de cette infrastructure, c'est cette voie qui sert de gare routière avec tous les risques possibles. Autre point de l'actualité, SIA lance la deuxième phase du projet IMO. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, cette fois sur fonds propres de la commune. Un projet pour faire du Bobo ville propre tout en luttant contre l'incivisme à travers la réglementation de la circulation routière. Hassan Gourabou et Moussa Sanon, reportage. Ils sont appelés désormais à apporter leur contribution dans la lutte contre l'incivisme à Bobo du Lasso. Eux, ce sont les brigadiers Timo, les travaux à haute intensité de main d'œuvre. Le maire de la commune lance ici la deuxième phase de ce projet. Quand un projet est bon, il ne faut pas s'arrêter en suivant un chemin. Donc c'est ainsi que le conseil municipal nous a autorisé, par délibération, de recruter 100 jeunes chaque 6 mois pour pouvoir continuer le travail. Alors pour nous, au-delà des travaux de main d'œuvre, c'est-à-dire d'assainissement, ce sont des structures réelles pour la commune sur les questions de sensibilisation au civisme et même la sécurité routière et beaucoup d'autres. Un projet bien apprécié par les brigadiers. Des brigadiers qui, après plusieurs jours de formation, ne doutent plus de leur capacité à relever les défis. Voilà, nous sommes bien le faire. Nous sommes vraiment contents de faire ce travail. Nous remercions vivement les initiateurs. Nous sommes bien conscients de ce qui nous attend. Nous pouvons aussi assurer que nous allons relever les défis en rendant la ville de Bobo propre et en la débarrassant des maladies, par exemple. Cette deuxième phase du projet Timo à Bobo de Lasso est financée par la commune. Elle va durer 6 mois et durant cette période, chacun des 100 brigadiers va percevoir un salaire mensuel de 35 000 francs CFA.
Nous entamons l'actualité internationale avec la présidentielle togolaise qui tourne à l'avantage du fort Gnassingbé. Arrivé à la tête du scrutin avec 72,6% des voix, il rempile ainsi pour un quatrième mandat selon les résultats de la CENI publié 24 heures après le vote. Mais une partie de l'opposition conteste la victoire du président sortant. Suivons le reportage de notre envoyé spécial à Lomé, Vincent Kendrebiogo. C'est très tard dans la nuit dernière que la Commission électorale nationale indépendante a annoncé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Des résultats qui donnent une victoire écrasante à Faure Gnassingbé qui l'emporte à 72,36% des voix. L'opposant Kodjo Agbeyome arrive en deuxième position avec 18%, reléguant ainsi Jean-Pierre Farr, ancien chef de file de l'opposition, au troisième rang avec seulement 4,35% des voix. Ce dernier, Jean-Pierre Fabre, s'est même illustré en reconnaissant sa défaite bien avant les résultats de la CENI. Par contre, Agbeyome, lui, conteste les résultats annoncés et a même prononcé un discours de victoire dans lequel il félicite Faure Gnassingbé qu'il considère désormais comme premier ancien chef de l'État togolais en vie. Dès l'instant, je deviens le président démocratiquement élu. Pas de quoi perturber la fête du camp présidentiel qui savoure sa victoire. Sous réserve de la validation des résultats de la CENI par le Conseil constitutionnel, Faure Gnassingbé entame donc un quatrième mandat rendu possible grâce aux dernières réformes constitutionnelles qui limitent désormais à deux le nombre de mandats présidentiels au Togo, tout en remettant le compteur à zéro pour Gnassingbé en poste depuis maintenant 15 ans. Après un week-end de morosité, Lomé a repris ce matin une vie normale, aidé par Jean-Pierre Fabre, bête noire Gnassingbé qui a reconnu volontiers sa défaite. Et puis un pas de franchi ce week-end au Soudan du Sud. Riek Machar, le chef rebelle, a été investi premier vice-président, une main tendue du président Salva Kiir, ce qui suscite l'espoir des Soudanais, en tout cas pour ce qui est de la mise en œuvre de certains points de l'accord de paix, en attendant la formation du nouveau gouvernement. Suivons. Le Soudan du Sud ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le dirigeant rebelle Riek Machar a été nommé samedi à Juba, premier vice-président, conformément à un accord de paix conclu en 2018. Une investiture qui relance les espoirs de paix dans ce jeune pays ravagé par la guerre depuis 6 ans. Et c'est avec son rival de toujours, le président Salva Kiir, que Riek Machar va tenter de gouverner pour la troisième fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. J'ai pardonné à mon frère, le docteur Riek Machar, et premier vice-président de la République du Soudan du Sud. Et je lui demande également pardon. J'invite tous les habitants du Soudan du Sud à se pardonner. Les deux hommes sont issus de deux ethnies différentes. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013 lorsque Salva Kiir a accusé Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait en 6 ans plus de 380 000 morts et provoqué une effroyable crise humanitaire. Retour au Faso pour parler sport, football avec le Faso Foot, 22e journée. Un face-à-face entre Salitas FC et ASFB, 2-0 en faveur des Colombes qui confortent leur statut de leader du championnat national de première division. C'est d'ailleurs un Salitasien, Ridouane Maïga, qui est élu meilleur joueur AGSB du mois de janvier. Le point d'image avec Amadou Elboudo et Abdoulaye Kabouré. L'ONCE, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso ASFB, très joueuse à l'extérieur. Cette réalité ne branle en rien Salitas FC qui entend consolider son rang de leader du Faso Foot. Les buffles se signalent sur ce travail de Sekou Siribé à la 44e minute, mais ses coéquipiers ne sont pas lucides. Les Colombes montrent également de bonnes dispositions. Le score à la mi-temps est de 0-0. À la reprise, Djefare Lengani de la SFB et Ladji Koulibaly de Salitas apportent respectivement du sang neuf dans le jeu. C'est une stratégie qui se révélera payante pour les Oranges. Youssouf Barou, entré en cours de partie, suite à ce centre, ouvre le score à la 80e minute. Le co-meilleur buteur du Faso Foot, Alassane Samadogo, et ses camarades cherchent leur repère. Ils ne les retrouveront pas. Pire, ils vont encaisser le deuxième et dernier but de la partie à la 85e minute
par un autre nouvel entrant, Elias Dianda. Salitas met ainsi fin à l'invincibilité de la SFB à l'extérieur après 13 matchs sans défaite. Le sens, c'était les 3 points. Voilà, forcément, c'est un concurrent direct. Voilà, avant le début du match, on savait que ça allait être difficile. Ça allait être très, très difficile. D'autant plus qu'ils ont perdu à Bobo la semaine passée 3-0. Donc pour un grand club comme fonctionnait, on savait qu'il allait réagir ce soir. On a manqué de jouer de Baraka, hein, puisque en première période, on pouvait gagner 3-0. En première période. Voilà, les occasions qu'on a eues en première période, on les a tous ratées. À la faveur de cette 22e journée, l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB et ses partenaires ont remis officiellement le prix du meilleur joueur AJSB du mois de janvier au milieu offensif de Salitas, Ridouanou Maïga. Ça, c'est une sorte de galvanisation pour moi, pour que je continue à travailler, à bosser dur, pour pouvoir, pourquoi pas, être sélectionné à des mois à venir. Des récompenses qui vont certainement susciter l'émulation au sein des joueurs pour un face au foot plus relevé. On referme cette édition avec la revue de presse à lire à la une des quotidiens ce matin. La bataille de l'UTS, l'application de l'UTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires est effective. Un courage politique qui conduit les travailleurs du public dans les arènes. Revue de presse signée Herman Toué. Application de l'UTS, explication et menace de la CFMEF, peut-on lire à la manchette du journal Aujourd'hui au Faso. Dans les colonnes de ce journal, la coordination des syndicats du ministère des Finances donne des explications sur l'application de l'impôt unique sur les traitements et les salaires des agents publics en ce mois de février. Selon la coordination, l'application a été faite sur la base d'une circulaire restée confidentielle et qui vient modifier les dispositions du Code général des impôts. L'extension de l'UTS sur les primes et indemnités va aggraver davantage les conditions de vie des travailleurs du public déjà difficiles, poursuit le journal. Avec des tableaux chiffrés à l'appui, la coordination des syndicats démontre l'impact de l'application effective de cette loi sur les revenus de ses travailleurs. Elle invite de ce fait ses militants à une lutte longue et au sens du sacrifice pour son annulation. L'Observateur Palga caricature sur bras de fer à sa une, bataille de l'UTS, les financiers sortent les calculettes et les paramilitaires descendent dans l'arène. En tous les cas, l'Express du Faso, lui, estime que c'est un courage politique tout de même. Dans la même lancée, l'éditorialiste de Sidouaya affirme que c'est la nécessité qui fait la loi. Selon lui, le gouvernement a la pleine conscience qu'il marche sur des œufs dans cette affaire du UTS. Cependant, poursuit le confrère, l'évolution actuelle du monde recommande de compter sur ses propres forces tout en respectant l'orthodoxie dans la gestion des deniers publics. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.